Alors, on va voir ensemble, Bezrat Hashem, donc, pour mieux comprendre la liturgie de Hanouka, pour mieux comprendre la fête de Hanouka, il y a plein d'axes qu'on peut utiliser. Il m'a semblé judicieux de prendre l'axe de la liturgie. C'est pas dans le Birkat Hamazon, dans la Amida, dans le Moussaf de Shabbat, ce Shabbat, Shabbat Rabban, comme vous savez, eh bien, effectivement, on va dire ce Alan Essim. Et je me suis rendu compte, tout simplement, et c'est pas que pour la prière de Hanouka, de manière générale, plus on étudie au minimum, parce que ce serait beaucoup plus large, mais au minimum, la compréhension linguistique de cette liturgie que nous avons devant les yeux, plus notre intention ne va s'en renforcer d'autant plus, quoi. C'est pas aussi simple que ça. Donc, regardons ce que nous dit cette liturgie de Hanouka. À la Nissim, vé à la Pourkan, à la Gevurot, vé à la Teshuot, vé à la Niflaot, vé à la Nechamot, Sheasita le Avotenu, Beyemem, Bezemanazé. Il y a une première question qui doit. Ça, en plus, c'est commun à Et c'est comme à Purim, tout à fait. Mais justement, il y a une première question qui doit nous animer, c'est pourquoi est-ce qu'à Pessah, on ne dit pas à la Nissim? On dit à la Nissim, à Hanouka et à Purim. Je profite de l'occasion pour rappeler qu'on ne fixe pas une fête sur un miracle. C'est évidemment un événement où s'est produit aussi peut-être un certain nombre de miracles, hors nature ou dans la nature. Mais en tous les cas, il n'empêche que c'est que à Hanouka et à Purim qu'on insiste pour dire ce à la Nissim. On ne le dirait pas à Pessah, alors que Dieu sait combien il y a aussi des miracles à Pessah. Le Rav Kharlap, Makor numéro 1, eh bien, répond, Maïmarom, répond à cette interrogation. Mais Pessah, je n'ai pas traduit pour l'instant tout ce que dit la première partie de la liturgie. Peut-être, non, avant de rentrer dans le Rav Kharlap, juste sur cette première partie de texte. À la Nissim, donc, concernant les miracles. À la Pourkan, c'est un mot en araméen qui veut dire rédemption. C'est, en fait, Pédout et Pourkan, c'est la même chose, mais l'un est en araméen et Pédout est en hébreu. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'utiliser un mot araméen? On va en parler. Ve'a la gvurot, les actes de bravoure. Ve'a la teshuot, les marques de la délivrance, ou les délivrances. Aniflot, les merveilles. Et à la nechamot, les consolations. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler de consolation quand on évoque Hanouka? Chez Asita, on remarquera que c'est tourné vers HaKadosh Baruch Hu, que c'est lui qui a fait. Et pourtant, c'est les Maccabées qui se sont battus. Chassita la Avotenu, Bazemanazé. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler en ces temps-là, suivi de en ces temps-ci? Il faut toujours avoir en tête ce qui est commun à toutes les fêtes à tradition juive. On ne sommes pas en train de commémorer, de célébrer un événement historique. Nous sommes en train d'être éclairés par un événement que nous vivons actuellement, aujourd'hui. Une sorte de ligne comme ça, de ligne transcendante, de chaîne, qui nous permet de comprendre avec le même espoir que nous sommes animés en qui se lève il y a près de 2000 ans, eh bien, ce qui se passe aujourd'hui. Et je reprends les propos du Rav Kharlap. Mais Pessah enanu mevachim berachazu, ela bechanouka ou Purim bilvad, comme on le voit, que à Hanouka et à Purim. Ou biur edava, chez kolinien la beracha, pourquoi est-ce que je le rappelle, il y a besoin de cette petite fiole d'huile dont on ne va pas encore parler pour être conscient de ce qui vient de se produire. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin de louer HaKadosh Baruch Hu pour des miracles. HaKadosh Baruch Hu n'est pas, comment dirais-je, n'est pas renforcé, je vais utiliser volontairement ce terme, n'est pas renforcé dans sa force. Quand il a ouvert la mer ou quand il a transformé le Nil en sang, quoi. Ça n'a rien bougé chez lui. Il a pas Exactement. La louange à Kadosh Baruch Hu, c'est quand on est capable de percevoir et de pointer du doigt et de dire ce qu'on est en train de vivre, ça provient d'un Kadosh Baruch Hu. Et on n'a pas sans besoin des miracles pour ça. En tout cas, des miracles qui transcendent la nature. C'est pour ça qu'il dit, et nous Shevar la Kadosh Baruch Hu, qui vous Kevichol, comme tu viens de le dire, et il n'est nous à court les chevaux, chanou méchaprim. Il n'a pas besoin de cela. Il n'a pas besoin de ces louanges-là.
Mahout haberacha, le sens profond de cette bénédiction, il est amshir et atova asher ba'al anu gam le'atit. Ce qui nous importe, c'est cette reconnaissance infinie envers le Créateur face à une émotion, pas que, mais face à une émotion exceptionnelle que nous avons vécue à un moment donné, qui a une répercussion dans le futur. Lechach, bechanouka bepurim, shenes ayabeder et alat ateva. Puisqu'à Chanukah et à Purim, il y avait une transcendance de l'ordre naturel des choses. Comment est-ce qu'une petite poignée d'hommes peut, pas du tout professionnelle et pas du tout militarisée à la base, comment est-ce qu'elle peut affronter un empire aussi exceptionnel avec pour tank des éléphants? Pourtant, elle le fait. Elle l'assume. Purim, le peuple entier est en danger. Et on est sauvé. Mamshichim anu et ailu yaze. Nous poursuivons cette élévation constante chez umi atachlit umi kavanat de la bria. Puisque Hakadosh Baruch Hu est intéressé à ce qu'il ait un partenaire à ses côtés, en l'occurrence le partenaire c'est nous, donc par le prisme de cette réalité au sein même de la nature que nous avons vécue, nous reconnaissons être le partenaire. Ava. Pas une réalité naturelle qui s'élève. Même au niveau le plus simple, la petite fiole d'huile, elle peut être miraculeuse, mais c'est de l'huile. On n'a pas transformé la réalité, ce n'est pas de l'eau qui est devenue de l'huile. C'est de l'huile. Ça? On n'a pas pris des pains, ils sont devenus, on n'a pas pris des poissons, c'est devenu du pain. On n'a pas marché sur l'eau. Excusez-moi. Non, je rigole, vous avez compris. Darté Adéva. Justement. À Pessah, il s'est passé un événement qui a changé l'ordre naturel des choses. La mer n'est pas censée s'ouvrir, l'eau n'est pas censée devenir du sang, etc., etc. Et pourtant, ça l'est devenu. Sheinam. Et justement. C'est arrivé à un moment où cela était nécessaire pour le peuple. Ce qu'on appelle qui Horat Shah Bilvad. C'est ponctuel. Tout est miraculeux à Pessah. Il n'y a rien de naturel à Pessah. Donc, ça ne sert à, donc de dire Alanissim à Pessah, c'est réducteur. D'accord? Regardez ce qu'il nous dit. שאינם אלא כהוראת שעה בלבד, אין אנו מבחים, כי אלא אינם מכוונת הבורא בר שמו ביצירת ההוויה, זה פעם לאטנסון דו קריאטור, אמרו אלא פסוני שסתמו אליה סון פרק, שעניינה לגלות את הקדושה הגנוזה בגביעות גמורה בהוויה, רז קדושת הטבע. L'objectif là-bas était déjà de révéler la sainteté inhérente au peuple aux yeux des nations qui devait passer par cette opération miraculeuse à tous les niveaux pour que les gens comprennent le pharaon qui va bénir Akadosh Baruch Hu quand il sort le peuple juif, que comprennent la présence et l'intimité entre Akadosh Baruch Hu et l'âme Israël, mais qui passe par une opération, je veux dire parce qu'on n'a pas le choix, parce que le peuple n'est pas à la hauteur encore pour s'assumer comme étant le partenaire. Vous avez un petit enfant, vous allez lui donner le yaourt dans la main avec la cuillère parce qu'il ne sait pas prendre le yaourt du frigo. Et vous avez quelqu'un qui est suffisamment grand, bah, prend le yaourt dans le frigo. Et quand il a pris le yaourt dans le frigo, il est conscient que c'est grâce à son père qu'il est allé au super pour ce yaourt. Hanouka et Purim, c'est dans cette dimension-là. Il y a deux miracles. On va y arriver, on va en parler. C'est très important ce que tu dis maintenant, on va en parler dans quelques minutes. Il est certain que si on dit Al-Anissim, donc il y a plusieurs miracles. Il y en a un plus important que l'autre ? Est-ce qu'il y en a un plus important que l'autre ? Ben, tu vas le dire toi-même. S'il y a écrit Al-Anissim, donc on parle évidemment de plusieurs miracles. C'est pas ce que déjà André a laissé entendre évidemment en allusion, le rapport à la fiole d'huile, et le rapport à la victoire militaire. C'est pas? Archa, donc, il y a les miracles de la guerre aussi, qui ne sont pas négligeables. Vous voyez, dans le Sefer Devarim, vous avez
un postulat essentiel qu'on a tendance à oublier. Pourquoi on a gagné la guerre? Parce qu'on était les meilleurs, parce qu'on était les plus forts, parce qu'on a une super armée, parce qu'on a un super tank. Quoi d'autre? J'en sais rien. Vous avez compris. Akadosh Baruch Hu lui-même dit, accord numéro 2 dans le Sefer Dvarim, Ki me'avat Hashem etchem u'mishomru et ha'shvua asher nishba l'avotechem otzi Hashem etchem b'yad chazaka. C'est parce que je vous aime, que vous êtes les fils d'eux, que je vous ai sauvé, je vous ai sorti d'une parole forte, d'un bras fort. Veifadecha, et né la pédoute, mi beit avadim, vous avez été libérés, la rédemption de la maison des esclaves, du pharaon, miyad paro, melech mitzrayim. Donc, pédecha, pédoute, c'est la rédemption, donc se libérer. Comment se dit Veivdecha mi bet avadim en araméen. Réponse, Evenikolos, ufarkecha. C'est-à-dire qu'en réalité, pédout en araméen, c'est pour Khan. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de passer à la Nissim, ve à la pour Khan? Donc le premier miracle qui est clairement évoqué, c'est le miracle de la rédemption, de la libération du joug des nations. Je me permets de vous rappeler, c'est un détail que j'ai rappelé dans plusieurs plateformes, sur plusieurs paramètres. Comment est-ce qu'on peut parler de la libération du joug des nations alors que la majorité, ce n'est pas la majorité, puisque malheureusement la majorité n'y est pas à ce moment-là, alors que le peuple qui va vivre cette expérience à Hanouka est installé en Eretz Israël. Comment est-ce qu'on peut être en exil et être en Eretz Israël? D'accord? C'est un détail qu'il faut toujours avoir en tête et se rappeler. On peut être en exil et être en Eretz Israël quand il n'y a pas d'entité politique indépendante en Eretz Israël. Dès qu'il y a une entité politique indépendante en Eretz Israël, nous ne sommes plus en exil. La notion d'exil, galout, a un sens ilchatique bien précis. En français, nous avons diaspora et exil. En hébreu, nous avons galout et gola. On peut avoir encore des juifs en gola actuellement, mais on ne peut plus considérer que le peuple juif est en exil. Quelle que soit la qualité de l'entité politique qui est à notre tête. Seule exigence, qu'il soit juif. D'accord? Mais donc, nous avons clairement cette indication. Donc, de Ala pour Khan, c'est le Pédou, cette libération, encore une fois, du joug grec, qui était installé en Eretz Israël et qu'on a récupéré cette indépendance. Et c'est justement pour cela que nous disons le Halel, la Hanouka, comme vous le savez. Maseret Shabbat, Keshe Gavra, Malchut, Bet Cheshmonai, Ve Itzchum. Premier point qui est ici évoqué et mis en évidence dans la liturgie, à la Pourkan, à la Gvurot, cette vigueur, cette force, ce courage, qui a permis à la royauté, donc détenue par les Kohanim, de reprendre le pouvoir, de revenir encore une fois, en force, de libérer les Juifs du joug grec et surtout de tous les décrets qui, encore une fois, nous ont porté préjudice. Comme j'ai coutume de l'expliquer, il y a quand même 2000 ans, on était prêt à justement nous massacrer si on osait utiliser la date hébraïque, puisqu'on voulait nous empêcher d'utiliser la date hébraïque. D'accord ? C'est pour ça, bon, prochain, qu'aujourd'hui, la majorité des Juifs en Israël et dans le monde, si on leur demande, tout de suite, ils savent dans quel mois on est et quelle est la date hébraïque, alors que la date chrétienne, en général, ils la connaissent à peine. C'est pas ? Ouais. Ça montre bien que, voilà, heureusement. Mais comme quoi, ça, l'exil a un petit peu fait nous a fait payer des frais. Malheureusement. Oui, c'est ça, il y a pire, par exemple. D'accord ? Mais malheureusement, c'est une des réalités qui a été la question de Shabbat, la question de la Kashrout, la question de fixer le temps. Tout ça, encore une fois, avec une volonté, on va y revenir, mais la volonté des Grecs de couper ce lien exclusif, cette scission de la part d'Israël à l'égard des autres nations dans le monde. Hein? Si tout le monde se porte comme ça, on n'a pas, a priori, le droit, Israël, de dire on va se comporter autrement.
Sauf que c'est une exigence de base. D'accord? On a dit la suite. Donc, à la Gvorot, à la Teshuot. Où est-ce qu'on voit ce terme de Teshuot? Vous avez dans Zecharia, vous l'avez maintenant numéro 4. Chaque fois, je vais référer pour comprendre les termes qui sont utilisés. Ve Oshiam, Hashem Elohim, à que je vous les a donc libérés. Beyom Ahu, en ce jour-ci. Ketson Amo, comme son troupeau, troupeau de son peuple. Qui avenait Nezer, Mitnosesot al Admato. Pourquoi les a-t-il libérés à ce moment-là? Parce qu'il y a des pierres précieuses qui commencent à briller sur sa terre, sur la terre d'Israël. Ça, c'est Zecharia. Que signifie ce verset? Quelles sont ces pierres précieuses? Vous avez compris? Nous dit Rashi, Ketson Amomakon numéro 5, Ketson chez Issiam et Mitzraim, Liot Loleam. Premier sens le plus simple, ce peuple, ce troupeau, comme Akash Bokhu nous a sorti d'Égypte. Et Avnei Nezer, ces pierres précieuses, qui a Kohanim Bnei Cheshmonaim, a Mitpararim Bavnei Nezer, Beturei Choshen, Ve'efod, Iou Mitnosesim, Benissim, Alad Matan. Quand on parle des pierres précieuses, eh bien, on parle clairement de ce lien avec ces Kohanim, la famille des Asmonéens, des Cheshmonaïm, qui vont pas savoir avoir le pectoral qui va briller, mais la terre, elle va briller de miracles et de luminosité par leurs actes de bravoure. Donc, le Alateshuot, c'est justement, il y a, quelle est la différence entre Pédout, je pense qu'entre Gvurot, ça vous avez compris les actes de bravoure, mais comment est-ce qu'on comprend la nuance entre Pédout, entre Yeshua et je ne sais quoi d'autre encore? Il y a cette notion de rédemption. D'abord, il y a quelque chose d'intérieur qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on dit Pourkan en araméen? Je vais rappeler un détail important. Quand on fait le Kaddish, on dit en araméen. Il y a différentes liturgies qu'on dit justement en araméen. La tradition dit, raconte que les anges ne parlent pas l'araméen. Ils ne parlent que l'hébreu. Mais Akash Brou comprend l'araméen. C'est-à-dire que si on parle de rédemption, avant de prendre un billet d'avion et de monter en Israël, si je reprends dans ce contexte-là, il a fallu qu'il se passe tout un ensemble de choses, consciemment ou inconsciemment, dans ma manière de penser, de manière dans le psyché, qui m'a amené à prendre un billet d'avion. La rédemption, le pédout, le apurkan, n'est pas encore le réveil actif, mais est la volonté de se libérer. C'est ce qui va précéder la mise en acte, c'est l'idée de la libération. Vous voyez la nuance? Il y a tout un ensemble de phénomènes, de bouleversements psychologiques qui vont m'aider à, qui vont me pousser à, après, être libéré. Et dans cette libération, qui est donc la Yeshua, la Teshuot, puisque c'est un pluriel, donc on sait pertinemment que cela implique eh bien, un certain nombre d'épisodes exceptionnels qui n'était pas du tout logique, comme je disais à l'instant, c'est une petite poignée d'hommes qui d'ailleurs va se renforcer par la suite, mais en dépit du nombre exceptionnel de soldats armés jusqu'aux dents, professionnels d'un empire qui est super puissant devant nous, eh bien, nous avons vaincu ces Grecs. Dans cette réalité-là, on assiste à quelque chose d'absolument merveilleux, d'absolument exceptionnel. Mais on a réussi à gagner le combat parce qu'on était animé par cette volonté de se libérer. Les Maccabim sont sortis du Beth Amikdash, sont sortis du culte sacerdotal, du culte qui est plutôt vertical avant d'être horizontal, parce que le Kodesh était en danger, le cœur d'un Israël était en danger, donc ils vont sortir. Est-ce qu'ils se sont interrogés, est-ce qu'ils vont gagner ou est-ce qu'ils vont perdre? Non. Leur guerre étant justifiée sans aucune remise en question, donc ils sont partis pour se battre jusqu'au bout. Et il me semble, une fois de plus, Beyemaem Bouzmanazé, et je réitère ce que je dis souvent par rapport à ce point,
Dès qu'on sera convaincu de la justesse du combat, le combat sera d'une facilité exemplaire. Parce qu'on est motivé par cela. Pourquoi c'est en araméen? Pour ne pas laisser entendre une quelconque parole critiquable à l'égard d'Israël de la part des Malachim, et que ça arrive directement, comme j'aimerais le dire, chez le boss. Ça arrive directement chez Akadosh Baruch Hu. À chaque fois qu'on a envie de parler directement sans intermédiaire, entre guillemets, sans on utilise la parole. Exactement. C'est plusieurs fois qu'il. Exactement. Donc tu as cette allusion ici à la Teshuot, à la Niflot, comme on a dit, les nombreuses. Encore une fois, et si on insiste pour utiliser les pluriels, ça veut dire que ça ne s'est pas passé d'un seul coup. J'ai rappelé cette semaine à des soldats sur la, après la question du cessez-le-feu, j'ai rappelé que Hanouka, c'est Hanou Bekafei. Quand est-ce qu'on sait Hanou? Le premier détail qu'on se rappelle, c'est dans le désert du Sinaï. Vaya Hanou Bamidbar, Vaya Han Sham. Mais on n'est pas allé pour s'arrêter. On est allé pour une station Benaim, une station avant de rejoindre la Torah, on continue notre périple vers Eretz Israël. Chanou Bekafei, comme il est coutume de l'appeler, pourquoi Chanouka? Parce que il y a eu un cessez-le-feu, il y a eu un arrêt quelconque, mais la guerre est encore très longue à ce moment-là. N'est-ce pas? Donc il y a eu des choses exceptionnelles et aussi des choses plus douloureuses. La preuve, c'est que nous disons à l'Aniflaot, ve à l'Anechamot. Pourquoi avons-nous besoin de nous consoler? Nous avons besoin de nous consoler parce que malheureusement, eh bien, nous avons perdu Shimon et Yehuda. Dans la famille des Maccabim, et vous comprenez bien que vu la force, vu la véhémence, vu la fougue qui va animer ces Kohanim, qui va redonner du souffle au peuple, l'Avdil. Mais je pense à un événement récent, déjà au moins une centaine d'années, mais quand Stephen Zweig, et même en Israël aussi, et quand Stephen Zweig dépeint l'enterrement de Herzl, ça n'a pas été qu'un homme qui meurt, ça a été tout un mouvement, tout un souffle qui meurt avec l'enterrement de Herzl et qui a affaibli quelque part la troupe, qui a affaibli le peuple dans son engagement. Bon, ben, l'avdil, parce que, encore une fois, chacun a sa place, mais c'est a priori exactement ce qui se passe. La mort de Shimon et de Yehuda sous l'épée, sous le coup des Grecs, évidemment, eh bien, nous attriste profondément. Et par conséquent, à la Nechamot, le fait d'être consolé par Akadosh Baruch Hu va redonner eh bien, cette force et cette fougue pour se battre. Et c'est là où on arrive donc à ce qui est spécifique à Hanouka, Beyeme Matityahu, Ben Yochanan Kohen Gadol, quand en général on commence à parler, ou on le dit à Purim, Beyeme Mordechai, quand de manière générale on parle dans ce type de langage, on met en évidence qui était le roi de l'époque. Donc cela laisse entendre. On n'a pas dit, pardon, évidemment, on n'a pas dit Beyeme Achashverosh, en l'occurrence, dans la liturgie. Et là, pareil, on ne dit pas autre chose, parce qu'il y a une restauration, évidemment, de la royauté. Et quand nous disons Kohen Gadol, donc Reshmonai, que signifie Reshmonai? Le sens littéral, évidemment, les Asmonéens, on le trouve déjà. Vous voyez, Makor numéro 6, directement, je vais au référent, dans les Tehillim. Il y a du Cheshmanim. Qu'est-ce que c'est que c'est Cheshmanim? Nous dit le Metzudat Zion, il y a nos Gdolim et Chashuvim. Est-ce qu'ils étaient vraiment Kohen Gadol ou non? À la rigueur, on s'en fiche. Mais en tous les cas, c'était clairement de la famille des Kohanim et des gens importants. Des gens suffisamment, encore une fois, d'une noblesse exemplaire. Cette famille de Matityahu. Ubana, chez Amda Malchut Yavana Recha. Tu remarqueras, André, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas parlé de la fiole d'huile. C'est très important. Elle a pas, c'est même pas qu'on y a une allusion, on n'en parle pas pour le moment. Chez Malchut Yavan, chez Amda Malchut Yavan, Arecha, Al Amecha Israël. Elle s'est tenue sur ton peuple Israël. L'échakecha mitoratecha, c'est un détail sur lequel je suis très pointilleux, j'ai appris de mes maîtres
est très pointilleux là-dessus, parce qu'on y a plein de versions pour cela. Les Ashkicham Toratecha, les Shakicham Toratecha, mais la version exacte, c'est cela. Les Shakicham Mi Toratecha. Pourquoi? Parce que dans la volonté des Grecs, il n'y a pas seulement la volonté de couper Israël de la Torah, mais aussi et surtout de couper la Torah d'Israël. La Torah est un livre très important, très intéressant, comment dirais-je, cultivé et cultivant, mais il est tellement important qu'il a sa place juste entre Harry Potter et République de Platon. On se rappelle du dit Evet qui arrivera par la suite sur la traduction de la Torah. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Je raconte de manière assez anecdotique, quand j'étais au lycée, qu'il y avait quelqu'un qui m'a dit « Quoi, la Bible existe aussi en hébreu ?» Mais on est là, c'est du grandiose. Vous l'avez invité un mercredi soir pour parler de sa passion. Mais d'accord ? C'est exactement cette problématique-là. Les Shakecha, Mitoratecha, c'est, je répète encore une fois, nous couper, il y a un lien intrinsèque. Ils vont insister en nous demandant expressément d'écrire sur une corne « En lachem chelek belo Israël ». Transformer le rapport que nous avons à l'égard d'Akadosh Baruch Hu comme étant un rapport subjectif, relatif, qu'on peut briser, qu'on peut couper. Chacun a sa religion. Soyez des Grecs de confession mosaïque. Oui, ou des Israélites grecs. C'est exactement ce qu'ils veulent faire. Et ce que, évidemment, nous récusons au maximum. Et pour illustrer ce propos, qu'est-ce qu'ils veulent nous faire transgresser en particulier? Ule aviram mechuke retzonecha. Qu'est-ce que c'est mechuke retzonecha? Les chukim, nous savons que ce sont des décrets divins qui dépassent l'entendement, qui dépassent l'intellect, et qu'on accomplit avec la seule volonté d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Si j'arrive, va dire le grec, à casser ça, à couper ce lien qui vous rattache. On n'est pas en train de se dire j'apporte un cadeau à mon bien-aimé parce que j'ai un intérêt. J'apporte un cadeau à mon bien-aimé parce que j'aime mon bien-aimé, parce que je suis rattaché à mon bien-aimé. Eh bien, c'est l'essence même du peuple juif. Vous avez ma cour numéro 8, le Shem Ishmoel. Vous l'avez ? Oui. Zeula avira mechuker etzonecha. On ne veut pas seulement transgresser, on veut que tu transgresses la volonté même du Créateur, que tu sois déconnecté de la volonté du Créateur. Ayevanim aharurim, c'est pourri de grec. Amrou le Israël, kidvou lachem, al kerenachor, shen lachem chelek beloi Israël, ve'alachon, shen lachem chelek, le fait que vous n'ayez pas de part dans le projet divin, il pousse à la chante théomatique. Dans le Midrash de Shir HaShirim, que disons-nous? Eh bien, Am Israël est la sœur jumelle d'Akadosh Baruch Hu. Et on sait pertinemment que, bon gré, mal gré, il y a un lien très fort entre deux jumeaux. Donc, si on écrit qu'on n'a pas de part dans le projet divin, c'est comme s'il n'y avait plus... Tu veux de l'eau? Tu veux de l'eau? Il y a de l'eau dans la bouteille? C'est ça? Puisqu'en réalité, qu'est-ce qui se passe entre deux jumeaux? Quand l'un souffre, l'autre le sent aussi. Vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël, vous n'avez pas de part dans son projet, ce sont deux réalités, encore une fois, coupées l'une de l'autre sans avoir aucun lien, aucune souffrance mutuelle. Vous voyez la suite? Chez Chag Margish Betsaro, l'un sent la douleur de l'autre, Vechem Bensono Jetravero dans la volonté de son prochain. Alken Emar la Avira, Mechoke Retsonecha. Ou, Memutsa Devarim, chez Ratsu Leit Gaber Alen, il voulait les supplanter, Velatil Pgam, mettre une souillure, mettre une tache, Be Madrigat Bechinat Ale, chez Israël, chez Elem Chelek, et chez Elem Ela, Chad Avisu Shabashamay. On n'a pas d'autre, si ce n'est notre Père, encore une fois, qui est, pour le coup, dans la réalité, encore une fois, céleste. C'est exactement ce qu'il voulait faire. En réponse à cela, en réponse à cette vaine décision, vous avez la réponse d'Akadosh Baruch Hu lui-même, si je puis dire, que
nous savons reconnaître. La suite de notre de la Tefila, Ve'ata berachamecha. Vous avez remarqué, c'est toi. Toi dans ta miséricorde, Arabi, Amad et Talahem, tu t'es tenu pour eux, Be'et Sarata, dans leur misère, Ravta et Rivam, tu as mené leur Rix, Danta et Dinam, tu as mené leur justice, Nakamta et Nikmatam, tu as vengé leur vengeance. Pourquoi est-ce que Massalta, voyez la suite à chaque fois, pourquoi est-ce qu'on s'adresse à tu? Celui qui regarde l'histoire d'un point de vue extérieur ne comprend pas, où est la présence d'Akadosh Baruch Hu. Mais là, on a le sentiment que c'est que Akadosh Baruch Hu qui mène la guerre, qui mène l'histoire. Alors que nous avons des épisodes, nous avons l'idée Maccabim, même si c'est un livre, comme on dit, apocryphe, mais on voit bien ce qui se passe. Le danger pour les Grecs, c'est que y a une citation que je permets de citer une fois de plus, à savoir qu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et nous avons un verset qui ressemble à cela, mais qui ne fait que ressembler à cela. Hashamayim Hashem, Vaharetz Natan Livna Adam. La terre, elle était donnée à l'homme. Mais c'est-à-dire que tout appartient à Kadosh Baruch Hu. Dans la culture grecque séparatiste, nous avons affaire à deux réalités qui sont même contraires en dichotomie l'une de l'autre. Dans la culture hébraïque, tout, et surtout au niveau de la nation, tout est mené, eh bien, ensemble avec Kadosh Baruch Hu. Quand je vais faire la bénédiction sur le pain à Motzi Lechem Min Haaretz, je ne suis pas en train de dire qu'il a vraiment sorti du pain de la terre. Et pourtant, c'est ce qu'on dit dans la bénédiction. On a sorti le blé. Oui, mais là, tu... d'un côté, ils ramènent tout au matériel, les Grecs. Alors, nous, on essaye de lever le matériel en Kodesh. Tu as dit une erreur, mais ça, c'est très bien que tu parles de ça comme ça maintenant, parce que c'est l'Aftara de Shabbat Hanouka que Eli m'a demandé de parler 5 minutes. Alors, je te dis, je le rappelle en spoiler, on n'élève pas le Kodesh. On révèle le Kodesh. La notion de spiritualité et de matérialité, comme étant deux notions totalement distinctes et différentes l'une de l'autre, ça, c'est les Grecs. Le sacré et le profane. Mm-hmm. Avec un regard méprisant à l'égard justement de ce qu'on appelle profane, comme son nom l'indique. Ça n'a pas de sens dans la culture hébraïque. Les Grecs, d'un côté ou de l'autre, ont failli réussir leur projet en nous faisant croire qu'on était une religion ou en nous faisant croire qu'on était une nation sans avoir aucun rapport à Dieu. Ça fait 150 ans qu'on était des Grecs de religion juive, puisqu'on était sous souveraineté grecque. Donc, par ce combat qui est mené, eh bien, on est pleinement conscient, encore une fois, que c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière tout cela. Que c'est Akadosh Baruch Hu qui mène l'histoire. Regardez dans le Midrash Hanouka, Makor numéro 9. Qui a fait basculer la situation? Parce que 150 ans, on ne peut plus. J'explique souvent que ce qui a fait basculer la situation du point de vue des Goïms, c'est que, à la différence de Aristote, dont son rave, à la différence d'Alexandre le Grand, dont le rave Aristote a dit « Apprends des cultures que tu vas conquérir et ne les détruis pas », ce qui a été le cas pendant 150 ans, plus ou moins, et ce qui malheureusement a amené aussi des écueils de notre part, eh bien, nous sommes arrivés à Antiochus, Antiochus, en fin de compte, comme on l'appelle, il a décidé que ça suffisait. Les 150 ans, il y a un schisme qui s'est opéré, et donc on ne peut plus pratiquer même notre culte. Ça, c'est la partie, révélée de l'iceberg. Et la partie cachée de l'iceberg, si je puis dire, c'est pas que le fait qu'il y ait des Juifs qui se soient assimilés à la culture environnante. Malheureusement, on en a eu à travers l'histoire, et c'est pas ça qui a fait qu'on s'est révolté de manière aussi virulente. Ce qui a été dramatique, c'est qu'on a commencé à inscrire de la culture grecque au sein du Beth Midrash. On a commencé à parler de Torah en pensant grec. Et ça, c'est terrible. Tu as un auteur bien connu qui s'appelle Philon d'Alexandrie,
qui, un commentateur très important pour la chrétienté, beaucoup moins évident pour la tradition juive. Et je me suis toujours interrogé si, dans les quelques commentaires que j'ai pu lire de lui, s'il connaissait la Torah en hébreu ou non. Et j'ai demandé à un de mes maîtres que il ne connaissait pas, il a tout son commentaire, il est à partir de la Torah en grec. Et on sait très bien ce qu'implique la traduction de la Torah. Exactement. Dès qu'on inscrit, on peut parler socialement dans une autre langue, mais il est impératif que dans notre tête, la Torah, elle demeure hébraïque. Elle demeure rattachée avec la précision la plus possible de cette langue de vérité qui est la nôtre. C'est pour ça que les malachim, entre parenthèses, que j'évoquais tout à l'heure, ne peuvent pas parler une autre langue que l'hébreu. Parce que les malachim sont là pour louer le Créateur, ils sont là pour chanter le Créateur, donc pour chanter la vérité, ils peuvent ne le faire qu'en hébreu. Le mensonge est inscrit aussi dans le projet divin. Puisque Akash c'est Emet, donc il implique tout. Et aussi la langue qui, donc pas la langue de vérité. D'accord? Donc, on voit bien qu'effectivement, que fait Akadosh Baruch Hu? Vous voyez, je reprends le Midrash de Chanukah, l'accord numéro 9. Amar Rabbi Yitzhak Bar Nachmani, de Ota Sha'a, Shalchu Achash Shemonaim, la Milchama, quand ces Asmonéens partent à la guerre, ta face à Akadosh Baruch Hu, Shivim Sarim Shel Mala, Misare Umot Haolam, Akadosh Baruch Hu, dans les contes d'en haut, il a saisi le monde entier, le Amar, Ergu Ish et Kirovo, tuez-vous entre eux. Veimimalet. Et s'il y en a un qui s'échappe, vous, de toute façon, vous êtes perdu. Les Grecs, ils tirent des flèches et sortent les épées. Malachim, otam. Les Malachim ont fait en sorte que quand le Grec va sortir sa flèche, de son épée, ça va lui rentrer dedans. Les Asmonéens eux-mêmes ont vu des miracles. Il n'y a pas besoin d'aller aussi loin pour vous dire à quel point c'est quelque chose de vécu. La guerre de 6 jours, la guerre des 6 jours, entre autres, on sait pertinemment des épisodes qui sont incompréhensibles rationnellement. Donc, on n'est pas dans un conte de fées, Jean l'a dit. Mais dans l'interprétation des choses qui se passent, on est conscient qu'on n'est pas capable de les affronter devant nous. Et pourtant, eh bien, on a cette force de les affronter. En cela, tu as mené la guerre. En cela, tu t'es battu. Et c'est ce qu'il dit par la suite. Massarta Giborim Beyat Khalashim. Ce qui semble illogique. Ils sont eux les Giborim. C'est le premier sens qu'on peut donner, a priori. Et nous, les faibles, et c'est nous qui gagnons. Regardez peut-être Macron numéro 10, le Shem Ishmael, une fois de plus. On ne va pas tout lire, mais quelques passages qui vous sont livrés ici. Donc, tu es tenu à leur côté quand ils ont traversé cette détresse. Rafta et Rivam, comme on l'a vu, tu t'es battu, tu as vengé, etc. Et vous avez ligne 30, Déiné. Matsav Israël Ayaaz, Muzar Meod, une situation très étrange pour le peuple juif. Asher Rabin Nehargu, Vanisharim. Vous vous rappelez quand même que c'est à cette époque-là qu'on a fixé qu'on pouvait se battre même le Shabbat. Parce que les Grecs avaient profité de l'opportunité qu'on faisait Shabbat pour vouloir nous attaquer que le Shabbat. D'accord? L'Avdil, c'est un peu comme les Romains avec. Les Anglais dans Astérix. Ils attaquaient que le week-end et à 5 heures tous les jours parce qu'ils prenaient le thé. Vous vous rappelez? Ah, voilà. En tous les cas, donc, voilà, on était dans une situation de honte absolument terrible et malheureusement, on était même tués, vous comprenez, assassinés par ces Grecs, encore une fois. Et vous avez ligne 34, ce qui est en gras. Hashem Itbarach, Orerotam. Leval Yeshnu Kemityashi. Akash Bokhu a fait en sorte de réveiller ce souffle. Ah, excusez-moi, chez moi, c'est la ligne 34.
c'est pas quelque chose que j'ai fait, j'ai pas la même pagination. C'est dans Shemesh Shmuel, le verso, vous avez, pardon, ligne 11 du verso, pardon. D'accord? Shachem Itbarach, Orer Otan, il les a réveillés pour pas qu'ils soient désespérés. Hachachachmonai ou Banav, okay? Et Rimu Roche, la tsèque, les krat, l'échec, la chèque, Begodel, Akesh, on a réussi à renforcer. Je me rends compte à quel point, et ça me, vous n'imaginez pas à quel point ce point-là m'émeut profondément. Depuis un mois, j'essaye je me suis efforcé d'enregistrer des petites paroles comme ça, de renforcement pour les Khaelim. Et toujours en me disant, mais bon, j'espère que ça va aider un petit peu, que ça sert un peu. Et j'ai reçu des messages des Khayalim, à quel point ils sont reconnaissants de ça, à quel point ça les nourrit, et j'en suis très honoré, ça les nourrit dans le combat qu'ils mènent. Donc c'est ça qu'on est en train de dire. Il n'y a plus de prophétie. Donc si Akadosh Baruch Hu va renforcer le cœur des troupes, comment ça va se passer? Bah, par les rabbinim, par les gens qui vont transmettre ces paroles, qui vont réveiller ça jusqu'au moment où c'est Cheshmonaïm, encore une fois. Eh bien, même si on n'a pas la force a priori pour y aller, on va y aller malgré tout. C'est ce qui nous anime profondément. Alors ça, OK. Vous voyez, la fin du Shemesh Moël, la dernière ligne de ce passage, Irak lefi massad sheu meyatzer venavsho maralo. Plus on va en souffrir, ça va nous revigorer, ça va nous galvaniser pour justement nous battre. Qui sont les héros qui sont donnés entre les mains des faibles? Comme j'ai dit, le sens le plus obvi, le plus limpide, le plus clair, c'est effectivement les Grecs qui tombent entre les mains des Juifs. Est-ce qu'on peut réellement, après ce que je viens de vous expliquer, est-ce qu'on peut réellement parler de faibles alors qu'ils sont tellement animés par cette volonté, par cette fougue d'Akadosh Baruch Hu? Regardez ce que nous dit Makor numéro 11 d'abord. Masarta giburim beyad chalashim ve rabim beyad me'atim yesh lomar. Atam da milchama yamim rabim mekemer chanukah aita ad sheotziu otam mikol haaretz. C'est pas, ça a été une longue guerre qu'il a fallu, encore une fois, du temps et de la force pour les battre. Et ce n'était pas fait en une seule journée. Il s'est passé un tel événement, comme j'ai dit, on a réussi à reprendre le dessus. Il y avait la guerre avant Hanouka et la guerre après Hanouka. Une longue guerre qui, a priori, on était les faibles et on a réussi à les battre comme on l'a indiqué. Mais le Gaon de Vilna amène un éclairage. Justement, que les vrais Gibourim, c'est les Tzadikim. Regardez ce qu'il nous dit. Gibourim Beyat Halashim. Makom numéro 12. L'intention, un Kavana Shayu Kolkar Tzadikim, ils étaient tellement justes. Shelo Talunitzrona Miramat Gvurata. C'est-à-dire que même si effectivement, puisqu'on voit la volonté, l'investissement, le soutien à la Kadosh Baruch Hu dans ce combat, ils sont tellement animés à ce moment-là par la force, par la confiance envers Akadosh Baruch Hu, que même si effectivement ils vont utiliser le M16 et le je ne sais pas quoi pour se battre, ils savent que ce n'est pas grâce au M16 qu'ils ont vaincu le combat. Ce que même si effectivement on a les moyens de vous battre, eh bien, ce n'est pas au nom de cette force-là qu'on vous a battu. Rak me'et Hashem haitazot. Mais grâce à Kadosh Baruch Hu. Vezé ma'amram chalashim. Shayu chalashim bedat. Et c'est très intéressant parce que le Gaon de Vilna a dit c'était des tzadikim, mais il n'a pas dit c'était des talmidei rachamim. D'un côté, ils sont tzadikim, et d'un autre côté, pourquoi ils sont-ils chalashim? Parce qu'ils sont chalashim bedaat. Ils n'ont pas la connaissance. Ils n'ont pas forcément étudié en yeshiva énormément. Mais il y a quelque chose qui les anime de l'intérieur, qu'eux-mêmes ne savent pas expliquer, mais qui fait qu'ils ont une confiance renouvelée envers Akadosh Baruch Hu. Faites-nous des tzitziot, amenez-nous des kippot. D'accord?
Je, évidemment, je ne fais pas d'analogie, d'amalgame. C'est là. Ils n'ont pas étudié, et pourtant il y a une force qu'ils ont réussi et qu'on réussit dans la cohésion du peuple à retrouver encore une fois, en tout cas ceux qui sont présents en Eretz Israël. N'oubliez pas qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, hélas, à part les Talmidei Chachamim, le peuple était dans une situation spirituelle catastrophique. D'accord ? Avant la Grèce et après la Grèce. Et pourtant, ils sont animés par cette fougue, encore une fois, qui va les permettre, eh bien, de se chauffer et de vaincre, encore une fois, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Rabbeinu Bechaye, sur cette même expression, va apporter là aussi un sens supplémentaire que je vous ai noté. Maintenant, numéro 13, on parle de Elef Alafim, ou Ubala, Shayu Giburim Dolim, Vekvurata Magdola Nitparsema Baumot, ou Pachadam Nafal Kolaami. C'est-à-dire qu'en réalité, si effectivement ils avaient pu être faibles de prime abord, ils ne le sont pas restés très longtemps. Parce qu'évidemment, une victoire militaire, elle se multiplie. Ceux qui, a priori, ne suivaient pas les Maccabées, en voyant ce combat qui est mené, ils participent au combat. Bon, c'est une partie des populations qui s'engagent. Oui, je ne fais pas de... Mais de ressemblance n'est pas fortuite. D'accord ? Donc, on a clairement, encore une fois, cet investissement, cette force qu'ils ont justement transmise, et je poursuis. Voyez ? Donc, Giburim Beyad Khalashim, Rabim Beyad Meatim, Rechaim Beyad Sadikim, comprend évidemment cette application, Tmeim Beyad Teorim. Là encore, Tmeim Beyad Teorim. Le peuple juif, dans sa grande majorité, à ce moment-là, il est en situation d'impureté puisqu'il n'y a plus de vache rousse. Et pourtant, il est appelé Tavor et les Grecs sont appelés Tmeim. Autre, peut-être interrogation, un non-juif qui meurt dans une tente ne rend pas impur. Donc la question ici d'impureté et de pureté n'est pas à prendre spécifiquement au sens ilchatique. Et puis en soi, de toute façon, il n'a pas la... Il n'a pas tamé. Exactement. Il n'y a pas de notion de touma, mais la réalité c'est que, pourquoi est-ce qu'on utilise ces termes-là ? Parce que le combat que mène le peuple juif, eh bien, est animé par un élan vital. Donc, de la pureté. Parce que la base même de la pureté, c'est en relation ou en contre-relation avec la vie et la mort. Oui, c'est plus loin que le simple affrontement homme à homme. Quoi. Exactement. On a dépassé ce stade. Exactement. Là, c'est-à-dire que c'est la pureté contre la vie. Et c'est important de le signifier parce que partant de ce postulat, on a un coin dans notre tête, la petite fiole d'huile. La petite fiole d'huile qui est pure. Mais puisque Touma outra Batsibourg, puisque l'impureté a été autorisée, puisqu'il n'y a plus de vache rousse, donc on n'aurait pas eu besoin d'allumer la menorah avec de l'huile pure. Mais il y a une volonté extraordinaire, Mahadrin, Domina Mahadrin, de vouloir raviver cette force au sein du peuple juif. Puis je me permets en plus d'ajouter, ça j'ai souvent dit, on est très pointueux sur l'huile pure du Kohen Gadol, mais de quoi est faite la menorah qui va être construite immédiatement dans le Beth Amikdash pour la réinauguration, la menorah ? On a un temps d'or, mais là, les autres, je... Non, c'est celle que les Maccabées vont faire là. Ils n'ont pas d'or. Nous disent les Rachamim, cette menorah dans le Beth Amikdash, il y a deux avis, et qui à mes yeux, de toute façon, ça ne change pas la donne. Elle est ou de bois, ou faites des épées des Maccabées. Donc, on s'intéresse beaucoup à savoir la qualité de l'huile, mais pas de la... Mais la menorah elle-même était dans une situation catastrophique. Est-ce que c'est important ? Mais tu ne peux pas rentrer du fer dans le Beth Amikdash. De toute façon, en bois... C'est très important. C'est-à-dire que si elle n'est pas en or ou plongée dans de l'or... C'est important que c'est la menorah. Tu n'as pas le droit. Dans le Beth Amikdash, il y a des matériaux qui ne peuvent pas être utilisés.
de rentrer du fer dans le Beth Amigdash, c'est formellement interdit. Parce que c'est une arme et que justement, c'est animé pour tuer, donc ça rend impur. Et même le bois, à ce moment-là, le bois aussi peut être disqualifié, mais il n'est pas habilité pour faire passer la menorah. Ce que je veux dire simplement, c'est que quelque part, je ne veux pas railler cela, mais on s'est habitué à cette réalité-là en oubliant de toute façon le précepte qui, en réalité, eh bien, ne sont pas l'essentiel de Hanouka. Mais pas le kofiot qui était important. C'était en fait, ce qui dans le cas présent, c'est pas c'est la lumière qui était importante. Exactement. C'était pas le exactement. C'est pas le support. Mais cette luminosité-là, elle devenait nécessaire pour raviver la compréhension du peuple que même dans cette réalité-là, Kadosh Baruch Hu est avec nous. Mais donc, ça veut dire que dès le départ, quand on parle de ce qui doit animer la fête de Hanouka, c'est clairement la compréhension qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous dans le combat que nous menons. Et pour, encore une fois, pour démontrer mon propos, on voit la liturgie qu'on a lue. On n'a pas encore parlé de la menorah, on arrive presque à la fin. Et même quand on va regarder la Hanoukia, à quoi on pense, si on y réfléchit consciencieusement, pas du folklore, pas de quoi d'autre, on pense à la menorah du Beit HaMikdash. Ken Laurent, pardon. Oui, c'est pour ça qu'on peut dire que même le premier jour, c'était un miracle aussi. Exactement, exactement. Tout à fait. Oui, pardon. Laurent a dit, c'est pour ça qu'on dit que même le premier jour, c'est un miracle. On fait 8 jours, on ne fait pas 7 jours. Et puisque l'huile, elle est déjà miraculeuse, le Sfat Emet, il a mis en évidence que l'huile avec ce sceau du Kohen Gadol, c'est qui le Kohen Gadol? C'est Avraham Avinu. C'est lui le Kohen Gadol. C'est lui qui est appelé Gadol et c'est lui qui sert à Kadosh Baruch Hu au milieu de l'obscurité des nations. La fiole d'huile avec le sceau du Kohen Gadol, c'est raviver l'identité qui, semble-t-il, a été erronée, a été trompée pendant tant d'années. Mais elle s'est déjà exprimée par le biais des Kohanim qui se sont battus. Et du peuple qui les a rejoints. Leur intention était évidemment l'intention des Grecs était profondément terrible, était profondément honteuse, mais elle a été vaine. Juste répondre un détail. Pourquoi est-ce que dans le traité de Shabbat justement on n'a pas mis l'accent sur la dimension militaire? Parce que la fin des Maccabim, elle est dramatique. D'accord? Et c'est, je vais à la parenthèse. Mais dans la liturgie, on voit que c'est ça que nous rappelons. C'est ça qu'on met en évidence. Donc, Tmeim Beyat Théorim, encore une fois, et aussi parce que, effectivement, le nombre de morts qui, malheureusement, a erré la guerre est aussi parmi les Juifs. Mais en tous les cas, eh bien, on s'est battu. Zedim Beyadoske Toratecha. Zedim, vous avez ma clé numéro 15 dans les Teilim. Zedim Alitseni. Qu'est-ce que c'est que Zedim? Nous dit le Rav David Kimchi, Dibroubi veiklotsetsubi. Les Grecs ont été malheureusement méprisants. Comme j'aime à le dire ces derniers mois, où je reçois tellement d'amour de la part des Goïm dans les cours que je donne. Vous êtes des grands malades, c'est la dernière en date. Ils essayent vainement de railler ce lien indéfectible. Zedim, Beyad Oske Toratecha. Et c'est intéressant qu'il dit Beyad Oske Toratecha, parce qu'en réalité, si on n'a pas la Torah, on n'est pas capable de comprendre et de saisir ce processus qui, encore une fois, a été jadis, et j'ose le dire, qui est encore d'actualité. Leur intention était clairement de souiller Israël, de détruire Israël. Tout est véhiculé selon l'extérieur. Je vais te prouver génétiquement que vous n'appartenez pas au peuple juif. Mais on s'en fout. Parce qu'en réalité, à partir du moment où la tante du juif d'Éthiopie, du juif polonais, du juif algérien étaient tous à la mer des gens qui étaient sortis d'Égypte, on s'en fiche. Mais ils veulent essayer de dénaturer, je répète, eh bien, ce qui anime notre peuple. Pardon? Ah ben oui, non, non.
Bien sûr, non, c'est tout. Mais tu voudrais te le voir dans la liturgie, ça te montre à quel point c'est d'une précision, encore une fois, hors norme. Donc, du coup, il y a la Teshuvah de là pour Kan Kayomazé, Kayomazé, comme en ce jour, puisqu'il a fallu un an pour poursuivre, pour décider que la fête de Hanouka serait inscrite pour toutes les générations. Ve'achar kach, Inenot Menorah. Vous avez remarqué? Ve'achar kach. C'est uniquement une fois que nous avons saisi tout ce que nous venons de dépeindre jusqu'à maintenant, à ce moment-là et après cela, alors sont venus tes enfants, le Beth Amikdash, ou Pinu et Techa ils ont fait le ménage, et ils ont purifié donc ton autel, Nerot des bougies, même c'est pas dit explicitement, des luminaires dans ce qu'on appelle Khatser le Beth Amikdash, y compris la cour du Beth Amikdash. Vekavu, Elou, Béalel ou Béoda. Ils vont fixer 8 jours de Hallel et de reconnaissance. Pourquoi tu dis de Hallel et de Oda? Le Hallel qui s'exprime pour une raison, la Oda qui s'exprime pour une autre raison. Le Hallel pour la restauration nationale, pour la victoire militaire, et c'est au nom de cela que nous fixons la fête de Hanouka, et Hoda'a, en remerciant Akadosh Baruch Hu de reconnaître que c'est Akadosh Baruch Hu qui est le maître à bord, pour en justement, en ravivant cette flamme par le biais de la menorah de Hanouka, de la Hanoukia, qu'on allume désormais toutes les générations. Versa. Donc des miracles et des merveilles, et on te remercie, on t'honore ton nom, Agadol, c'est là, on a souvent eu l'occasion de l'évoquer ensemble, c'est d'être un ustensile qui est prêt à recevoir justement cette parole d'Akadosh Baruch Hu. Je voudrais terminer avec ma corde numéro 18, puisque justement, nous voyons cette aide précieuse d'Akadosh Baruch Hu, et regardez ce qu'il nous dit sur la traduction dans Shirashirim. Cette royauté donc des Asmonéens, Kulam tous sont remplis de mitzvot comme la grenade. On ne regarde pas les Juifs au moment où ils se battent, s'ils ont une boucle d'oreille ou s'ils ont un tatouage. Parce que leur combat est honorifique, parce qu'ils mènent la guerre d'Akadosh Baruch Hu. Be'etai Kamu, Aumot, les nations à ce moment-là, à l'époque, hein, se sont tous levés pour être contre nous. Shishim et Lachim ibn Esav, rien à voir avec les Grecs. Vous avez 63 du monde romain. Levushet, Shirion, eux aussi armés. Rorvet, Soussim et Prashim. Et on a aussi des gens. En provenance de la peuplade de Ishmaël. Bon. Donc la guerre qui est menée contre les Grecs, elle a des répercussions à l'échelle mondiale. Et les Bnei Esav et les Bnei Ishmaël, comme toujours, évidemment, viennent pour nous aider. Avec beaucoup d'affection. Rorvé Pilim, sur des éléphants. Mishar Ami, en plus de tous les peuplades, encore une fois, qui sont connus et moins connus, qui participent à ce combat. Asher elem mispar, ils sont innombrables. Ou baoula gi arkara valerushalayim, avec un seul objectif, une fois n'est pas coutume, eh bien, montrer des dents, aboyer contre Yerushalayim. Ve'az yatzu bnei cheshmonaï. Donc, le petit combat des cheshmonaï, qui était déjà suffisamment important envers les Grecs, il devient pas seulement un petit combat d'une petite peuplade de 6 millions de personnes, contre, je ne sais pas, 22 pays arabes, excusez-moi, contre les Grecs, il devient beaucoup plus important que ça. Umatityahu, Vekolam Israël, Veigirhu, Bahem Krav, ils ont mené le combat. Umasar Hashem Otam, Beyadehem. Akashbuchu a fait en sorte que nous puissions, eh bien, gagner la guerre. Vaincre ces royautés aussi puissantes avaient-elles l'air. Ou Malchéarez, Vassarim, Kilsuotam, Amrou, Aoumot, Kamazoarot, Maaseahamazé, Keboker. Résultat de l'affaire, une fois que nous avons vécu, eh bien, ces nations reconnaissent la grandeur et la luminosité intense de Am Israël.
Quand on va allumer la Chanoukia, je le rappelle, on l'allume dehors. De prime abord, on doit l'allumer dehors pour rappeler au monde qu'il y a un maître à bord, pour rappeler au monde que la source même de la sagesse ne dépend pas de l'intellect, mais elle est au-dessus de l'intellect. Et quand justement, on illumine le monde qui est apte à entendre, qui est apte à comprendre, alors c'est une bénédiction. Mais quand on se met en danger, on n'aura pas d'autre solution, comme vous le savez, de mettre la Chanoukia dans la table de notre salon. Parce que si on ne peut pas les éclairer, eux, nous, on ne doit pas perdre le cap. Nous, on ne doit pas perdre vers où on tend. Aujourd'hui, on est revenu en Eretz Israël, Baruch HaShem, B'yemem, Bupezman Hazeh, et on a l'opportunité de pouvoir d'abord allumer la Chanoukia dehors, et surtout, de pouvoir se raviver, encore une fois, dans la valeur du combat que nous menons, qui est l'essentiel, encore une fois, de Chanoukia. Chanoukia, comme j'ai coutume de dire, on a été habitué à parler d'une fête religieuse. On arrive en Israël, on est en train de dépeindre cela comme une fête nationale. Et il me semble qu'en réalité, ce n'est ni l'une ni l'autre. La victoire de Chanoukia, quand on sera une pleine victoire de Chanoukia, c'est comprendre que la nation et la Torah sont inséparables l'un de l'autre. Ni d'un côté, ni de l'autre. C'est pas tu es religieux, tu vas à l'armée ou l'inverse. C'est une fête hébraïque. La seule fête qui s'est déroulée et qui s'est installée en Eretz Israël. Appeler Chanoukia est une fête religieuse, c'est aller dans le sens des Grecs. Tu comprends? C'est la fête du peuple qui retrouve son identité, sa cohérence. Il y a beaucoup de choses. Il y a plein d'autres choses qui ont été inaugurées dans le Beth Amigdash. Pourquoi est-ce qu'on a choisi justement la menorah? Parce que la menorah est l'éclairage spécifique d'un Israël pour nous-mêmes et pour le monde entier. C'est cette identité de l'unité que le grec n'est pas capable de saisir. D'accord? Quand on parle aussi de Anel Bazemanazé, c'est pas vrai, c'est ça? C'est ma part. Continuité de... Mais non seulement ça, mais parce que là, comme je l'ai évoqué, Chanoukia, pour les générations, n'a pas été fixé la même année. Ils ont fait la fête, c'est-à-dire, mais de décider que Chanoukia sera une fête pour toutes les générations, il a fallu qu'il se passe un an. Parce que pendant un an, les Chachamim se sont disputés comment est-ce qu'on comprend ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on fait le Hallel ou on fait Tachanou? On n'est pas sûr. Un an après, ils ont compris que c'est un événement extraordinaire. Sans faire de parallélisme, tu as un grand Talmid Chacham qui a dit que l'État d'Israël ne durera pas plus de 2 ans. C'est la preuve qu'on est encore en galoute. Mais c'est plus de 75 ans maintenant. Donc ça y est, on peut avancer. Sur ce, Chanoukia Sameach, Bezrat Hashem, et plein de bonnes choses, et un grand Mazal Tov à la famille Pachulski. Bezrat Hashem. Mazal Tov. T'as Mazal Tov de Sylviane, de Laurent, t'as Chanoukia Sameach, de Elia, de tout le monde. Voilà. Ah, Laurent, s'il peut venir. Oh, Khazak. Laurent, tu peux venir en Zoom. Bye, sans votre vote. J'espère. Avec plaisir. Bye bye. Sur les trois à fêtes, bientôt. Incité, brave.